Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Rayman Legends sur Xbox One. Alors là je vous montre quelques détails du jeu. Voilà, le monde code fou, foot, challenge, héros. Là je vais vous montrer les personnages qu'il y a dans le jeu. Voilà, pour vous dire que le jeu est assez sympa, graphiquement il est très beau. Je vous montre tous les personnages en ligne, voilà. Qu'on peut prendre, tout, franchement c'est vraiment pas mal. Profitez. Faut en profiter parce que le jeu est gratuit pour le mois de mars. Alors ça serait bien de le prendre parce que quand même il vaut 20 € presque par là, j'ai vu le prix. Voilà, là je vous montre les chapitres qu'il y a, il y en a pas mal à faire dans le jeu. Voilà, hop, je vous montre les chapitres qu'il y a, les niveaux. Voilà, ça c'est un chapitre sur un seul niveau là qu'il y a, il y a tout ça à faire, je vous montre, il y avait de quoi faire. Faut récupérer le petit personnage là, je sais plus comment il s'appelle, en bleu là. Voilà, hop. Les décors sont vraiment sympas, les détails, tout, les musiques sont vraiment bien faits, rien à dire. Les détails des graphismes sont vraiment super. Les personnages, voilà, tout, je vous montre assez vite le jeu là, le niveau. Voilà, petit personnage qui aide de temps en temps dans le jeu. Après, je vous montrerai un mode challenge, comment c'est fait en ligne. Ah, je suis mort. Là c'est pas évident de commander en même temps la partie. Voilà, il faut montrer, hop, je vais essayer de le repasser. Hop, petit Rayman, c'est un jeu 100% français là de Ubisoft. J'ai pas de qualité Rayman, je me rappelle le lapin crétin, mais je crois que c'est encore plus vieux. Je crois que c'est du temps où il y avait la Super Nintendo, si je dis pas de conneries, de la Mega Drive, je crois que ça y était. Même sur PC, je crois que le premier Rayman était sorti sur PC. Il me semble, mais il y a un sacré moment. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Rayman, franchement, il est assez sympa. Comme je vous disais, la jouabilité est vraiment un tip top. Pour un jeu de plateforme, c'est vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est chaque chapitre du jeu est vraiment sympa. Les décors, tout ça change. On n'est pas. On est assez varié dans le jeu. Ce qui est bien, c'est que ça saoule pas, comme on dit. Hop, je vais vous montrer le mode challenge. C'est pas, comment dire, répétitif, c'est assez bien, assez fun même dans l'ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer son personnage du jeu, ça c'est vraiment bien. J'ai toujours joué avec Rayman, c'est assez c'est chiant des fois de jouer un jeu toujours avec le même personnage. On peut prendre les méchants, les gentils, tout, c'est pas mal. Il faut les débloquer par contre. Là il faut faire un challenge, il faut choper 150 lumières je crois. Lui-même, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà, il y a le mode aussi sous l'eau, j'ai vu, les chapitres étaient vraiment bien faits. Il y a quelques petits passages qui sont sympas, vous verrez, à la Splinter Cell. C'est pas mal, c'est un petit clin d'œil à certains jeux, j'ai vu. Voilà, pour vous montrer que le jeu est vraiment sympa, les décors sont vraiment fun. Hop, de finir. Alors c'est pas évident le challenge parce qu'il est très dur. Il y a d'autres challenges de rapidité qui sont pas mal aussi, à vitesse. Pour finir des niveaux assez rapidement, ça c'est pas mal aussi. Par contre il n'y a pas de mode, on peut jouer en coop ou à plusieurs en ligne, ça c'est vraiment dommage je trouve. Parce que là le jeu il aurait été encore mieux. On peut pas offrir aussi, il n'y a pas un mode aussi éditer les décors, tout. Éditeur je veux dire. Ça aurait été pas mal aussi, on peut créer son propre monde. Ça aurait été pas mal aussi pour avoir des challenges entre joueurs. Un peu comme il y a sur Trial Fusion. Voilà, hop, je vous montre d'autres trucs qui se passent. Là, les chapitres, voilà, il y a d'autres menus à débloquer. En plus vous chopez d'étoiles, plus vous faites de niveau, plus vous aurez de chapitres, tout ça à débloquer. Voilà, là il y en a pas mal, vous voyez. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 chapitres avec pas mal de petites missions à faire. J'ai vu que les succès étaient assez sympas à faire, ils sont pas très durs à faire. Sauf récupérer les bleus, les petits bonhommes bleus, il va avoir de quoi faire parce qu'ils sont bien planqués, hein, les chapitres. Voilà, c'était pour montrer le jeu, j'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous dis à plus, amusez-vous bien, ciao.